Messieurs, bien le bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche matin, dimanche, on est combien déjà? On doit être le 25, bah oui, dimanche 25 mars. Alors ceux qui prédisaient l'arrivée du printemps, bah c'est mort, hein. C'est mort encore pour une semaine à ce qui paraît, ça va bien souffler, il va bien pleuvoir. Moi je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien ce temps, c'est fou, hein, plus on vieillit, plus on aime les temps hors saison. Bah du coup moi j'aime bien. La météo de ce matin, ce sera dans quelques instants, c'est à découvrir. Mais juste avant, au programme de la matinale. En attendant de vous rappeler, vous pouvez nous écrire, vous pouvez réagir sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram. Alors vous avez MAHREZRABIA, donc Mahrez Rabia, ou sinon Canal Algérie tout court. Mais n'hésitez surtout pas, ça devrait s'afficher en bas de votre écran dans quelques instants. À ce qui paraît, c'est un jour sur deux, donc je crois que je suis pas le seul bonjour. Alors du coup, ce matin, les invités vont défiler sur ce magnifique plateau, en mode un peu vendeur de thé, avec cette couleur prédominante, que je revends d'ailleurs en fin de saison, si vous me permettez, ce studio sera vendu contre un acte charitable. Alors du coup, non, mais plus sérieusement, Rachida Sa sera avec nous aujourd'hui, on va parler de l'organisation de la quatrième édition d'un événement. Des journées de la marque et de la contrefaçon, ça s'appelle d'ailleurs marque et contrefaçon, marque contrefaçon, c'est une conférence qui va se dérouler les 28 et 29 de ce mois, ça va se passer à l'hôtel Lauraci, avec une forte participation du ministère de l'Industrie, du Commerce également, ils seront représentés, avec plus de 15 experts qui vont défiler, qui vont parler donc des marques de la contrefaçon. Peut-on parler d'une contrefaçon hors asiatique? Est-ce qu'il existe aussi des mini-industries de la contrefaçon ici en Algérie? Bah, ce sera l'occasion d'en parler. Ce sera l'occasion de revenir sur la lutte aussi, les moyens, les instruments mis en place pour la lutte contre la contrefaçon. Ce sera avec Rachid Harash, avec Rachid Hassas, pardon. Alors Rachid. Ça, c'est parce que c'est RH Communication, donc je vous ai dit Rachid Harash. Bah, du coup, voilà, il sera avec nous, il est de retour. On va parler des lunettes aussi, ça tombe bien. Allez, tout à l'heure aussi, on part à Annaba. Bah oui, l'événement, c'est le Festival Méditerranéen du Film de Annaba. Ça se passe depuis quelques jours déjà. Amène Bech est notre représentant sur place avec lui. On recevra ce matin un scénariste. Il est président du jury d'ailleurs du Festival du film méditerranéen. Il s'agit de Monsieur Jacques Fietschi et il sera interviewé par Amène Bech ce matin sur le plateau de la matinale à partir d'ailleurs de Annaba, enfin duplex avec la matinale. Aussi, elle s'appelle Radia El Khalel, elle est participante au Salon de l'Emploi, le Salem 2018. Nous recevrons Nawal Ayadi, elle participe elle aussi à ce fameux salon. Alors on va parler des représentants de ce salon, on va parler de ceux qui exposent, plutôt des exposants aujourd'hui de ce fameux salon. C'est la 7e édition du Salon National de l'Emploi, le Salem 2018 à découvrir. Et puis on finit avec l'équipe du dimanche, Siam Knouch, avec ses fameux comptes. Et il y aura aussi Madame Oussaïd, Myriam, évidemment avec ses fameuses plantes et Hakim Keshroud avec son actu sport. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. N'hésitez pas encore une fois, hashtag la matinale des Z ou tout simplement Mahrez Rabia un peu partout. Tout de suite, on se fait un petit coup de météo? Ah oui, pourquoi pas. C'est parti. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui, la couverture nuageuse sera assez dense et couvre actuellement l'ensemble des régions du nord du pays. On attend des pluies assez marquées, accompagnées d'orages, de chutes de grêle parfois au nord, notamment vers les régions côtières et proches côtières d'ouest en est. Le maintien aussi d'un temps venteux, des vents atteignant parfois les 50 km/h sur l'ensemble des régions côtières. À noter aussi de la neige à partir de 1200 mètres d'altitude vers l'intérieur. Centre et est. Sur la partie sud, le temps sera variable. Possibilité là aussi de quelques faibles pluies. À noter quelques soulèvements de sable. Ailleurs, le temps restera calme et dégagé. Les températures prévues pour cet après-midi, eh bien, elles vont baisser sensiblement. Avec le retour de la neige, on attend 9 à Albéa, d'un minimum de 8 degrés pour la wilaya de Tiaret, 15 au rang la wilaya de Chlef, 14 à Alger, 15 à Annaba Skikda, 10 degrés à Galma Batna, 11 à Sétif, 24 à Béchar, 31 degrés à Tindouf, entre 27 et 29 au Sahara central, 31 au Sahara oriental et enfin 32 pour l'extrême sud.
Voici à présent l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h02. Nous allons gagner une minute d'ensoleillement. Le site www.météo.nz reste à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée encore une fois et à tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bon, on se retrouve dans quelques instants. On va ouvrir le bal avec Rachid Hassas ce matin. On va parler marques et contrefaçons. Plus de 200 000 emplois seraient perdus chaque année dans le monde à cause de la contrefaçon. Dans 100 000 en Europe, limite l'Europe, on s'en fiche. En tout cas, nous concernant, ça donne quoi? On en parle avec Monsieur Rachid Hassas. On parlera de contrefaçon, de lutte contre la contrefaçon. On parlera des instruments existants ici en Algérie pour découvrir, ou plutôt pour contrôler un peu tout cela. L'événement, c'est les 28-29, ça se passe à l'hôtel Loracy, c'est avec RH Communication. Ce sera dans quelques instants au menu de la matinale, mais juste avant, un peu de musique. Ça vous dit ou pas? Avec Caméléon. C'est parti. قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة والدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة والدارة وانا رايح تنتهي زندها شالي وليا خلي موت يا وتركب العين عبارة لبسها الغالي محليا من كل حلي راش رواني ليس تنشقهم يا طرا خدها سيلي وعينا ويلي ويلي بكت لمواني يصنع على ذيك الخزرة اللي فات واللي فات مات والذكريات تنسيها ومحيها فات اللي فات Bien déprimant ce matin, Hassan Nagra. Alors, c'est le chanteur des Caméléons qu'on embrasse très fort en espérant que leur album, leur deuxième, continue sa belle épopée, que ça cartonne comme le premier, même si cette fois-ci, ça n'a pas beaucoup pris. Bonjour, monsieur Rachid Hassas. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Hassas? Alhamdulillah. Bien tranquille, monsieur Hassas? Oui, ça va. Ouais. Alhamdulillah. Alors, du coup, on se retrouve ce matin avec RH Comique International, s'il vous plaît. N'est-ce RH pas. International. N'est-ce pas. Ce que je dis communication depuis tout à l'heure, bon, c'est peut-être pas complètement faux, parce que vous êtes dans la communication, dans l'événementiel. Rachid Hassas, on a l'habitude de vous croiser pour parler d'automobile à Béjaïa, de parler du salon de la lunetterie à Alger, de parler de plusieurs événements, le tourisme, le marketing. Surtout. Tu aussi? Bah surtout. Oui, beaucoup. Tu travailles à beaucoup de conférences. Il y a salon et il y a conférences. Aujourd'hui, on s'arrête sur conférence. Conférence ou journée, quatrième journée internationale, marque et contrefaçon. Ouais. C'est beaucoup. À la fois. Non, pas du tout. Non, ça va ensemble. Marque, contrefaçon. Bah oui, j'attendais une.
Mahalès, je vais vous dire une chose. Allez-y, Vous venez de dire que on est souvent sur plusieurs chantiers. Oui. Et, c'est très bien. Mais il y a une chose que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est dire que un organisateur, avant de se jeter dans l'organisation d'un événement, oui. Il faudra d'abord qu'il soit enquêteur. Oui. C'est-à-dire, on ne vient pas sur un plateau télé pour parler d'un événement qu'on organise et qu'on ne maîtrise pas. Qu'on n'aurait pas auparavant cherché à comprendre, à fouiner, oui. À interroger des experts, des spécialistes, des institutions pour voir pourquoi aujourd'hui faudrait-il parler de la contrefaçon et de la marque. Oui. Oui. Donc, c'est... Non, mais c'est vrai ce que je dis. Non, je vous écoute. Hein, mais c'est vrai ce que je dis. C'est vrai. Un événement est un outil de communication. Oui. Est un outil qui sert quand même de référence. Et pourquoi pas, je dirais, un relais entre la base et le sommet. C'est cela. Ouais. Vous n'êtes pas convaincu? Je n'ai pas à être convaincu ou pas, monsieur Rachid Hassan. Je crois que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé. Hein. Ah, moi, j'ai perdu. j'ai perdu mon âme. Non, mais je négocie pas avec vous. C'est votre événement. Non. Vous voulez que je négocie avec vous? Il n'y a pas de problème. Je vais me mettre de ce côté-là. Mais vous assurez ce qui va se passer, monsieur Hassan. Et quand je change de place et que je quitte. Alors, monsieur Rachid Hassas, on va parler donc de votre événement, si vous le permettez. Ça va se passer les 28 et 29 mars prochains. Alors, les 4e journée internationale sur la marque et marque contrefaçon. Mmh. C'est ça, hein, c'est collé. Alors, du coup, vous avez dit, c'est un panel d'experts qui va défiler. Mmh. Ils sont au nombre de 15, si je ne me trompe pas. Vous êtes appuyé, soutenu et accompagné par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Mmh. Ouais. Et des finances. Et des finances, mm-hmm. Forcément. Finances puisqu'il y a les douanes. Ministre de l'Industrie, ministère mm-hmm. du Commerce, ministère des Finances. Finances. Il y a ouais. des GSN. Des GSN aussi. Aussi, bien sûr. Quel sera l'apport de ces quatre grandes institutions? En fait, c'est eux qui rayonnent sur le territoire national. C'est eux qui voient ce qui se passe. Oui. Et c'est eux qui contrôlent. C'est eux qui condamnent. Et c'est eux qui évitent aux consommateurs... à nos entreprises. Mais ils viendront en tant que témoins de ce qui non, se passe sur ils le viendront terrain, communiquer, ils viendront en tant que ils viendront communiquer, nous faire part de ce qui se trame sur le terrain et nous donner des chiffres surtout des chiffres, pour illustrer un peu les résultats de leur action sur le terrain et éviter à ce que ce fléau, à ce que ce phénomène prennent place, occupent je dirais, une place importante pour détruire nos entreprises, pour détruire un peu les emplois aussi, ouais. Et pour toucher à la santé des consommateurs. Ça, c'est très important. Alors, si, déjà, en Algérie, j'ai quelques chiffres. Ouais, le travail des douanes, par exemple, rien que pour l'année 2017, il y a plus de 724 000 articles ont été saisis, je dirais, pour l'année 2017. Hein. Alors, parmi ces articles, juste pour que nos téléspectateurs oui. aient une idée un peu du travail qui se fait sur le terrain, je prends par exemple les articles de sport. Il y a plus de 200 000 articles de sport qui ont été saisis. Les appareils dépilatoire et sèche-cheveux, près de 180 000. Les pâtes alimentaires... Ça nous permet de connaître aussi quels sont ah les oui. types de produits qui sont contrefaits. Ah oui, absolument, hein. Oui, bien sûr. Vous avez les pâtes alimentaires, vous avez les piles... Les vous pâtes avez alimentaires sont contre... Oui, 150 000 articles ont été bloqués au niveau des douanes. Ah oui, hein. Ouais. Les pâtes alimentaires. Vous parlez des pâtes pasta ou vous parlez des pâtes en tout genre, c'est-à-dire... En tout genre. En tout genre. En tout genre. D'accord. Et les piles, même les piles. Les piles, pas loin de 153 000 piles contrefaites. Ouais. Les pièces détachées automobiles, près de 5000 pièces. Vous vous rendez compte? Non, je me rends les... compte que si on a. Produits si on a... électroniques, 12000. Si on a saisi que 5000 pièces, c'est que c'est passé facilement. Non, par c'est rapport aux années précédentes, si, les chiffres étaient plus, beaucoup Parce plus Parce que beaucoup vous savez plus très bien que le marché de la pièce auto est gangréné en Algérie,
que vous avez de fortes chances de tomber sur de la contrefaçon. Et que si on n'a saisi que 5 000, c'est qu'il y a eu... Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, ce qui est important aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une contribution du consommateur. Il faudrait que le consommateur dénonce. Et je comprends que ni les douanes, ni la DGSN, ni autres ne peuvent être au courant de ce qui se passe. Mais il faudrait que la contribution de tous pour arriver à isoler ce phénomène, à briser ce fléau. La société se bouge, hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Est-ce que vous avez entendu la dernière opération de la société civile qui s'organise sur le terrain par rapport au marché du véhicule? Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai entendu. On peut être d'accord ou pas, on relate une information, qu'on le veuille ou pas, c'est la société qui le vit. Après, nous ne sommes pas là ni pour encourager, ni pour décourager, bien au contraire. Nous sommes là pour observer, pour relater. Et il y a la fameuse opération hashtag Créat Soldat. Vous en avez entendu parler ou pas? Pour faire baisser le prix des véhicules. Oui. Et c'est en train de se faire en réalité. Et le problème, c'est que c'est pas un cas unique dans le monde. Vous avez en Argentine, il y a eu absolument le même cas quand les producteurs se sont réveillés un jour, c'était il y a plus d'une quinzaine d'années, qu'ils ont augmenté l'œuf de 2 fois le prix et que la société s'est organisée pour ne plus consommer et boycotter les œufs. Du coup, vous avez le producteur qui était inondé par des tonnes et des tonnes de stocks, ce qui n'existait pas avant. Et ce qui a fait que par la suite, il y a eu et lettre d'excuse des producteurs, de l'association des producteurs, et un retour au prix initial, et des pertes énormes et extraordinaires. Donc il va se passer absolument la même chose si je comprends bien. Alors du coup, de par l'opération qui est en train d'être menée par la société dans la rue, de la société civile elle-même, dans sa globalité. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Vous avez dit, c'est à la société elle-même aussi de s'organiser, de dénoncer et de boycotter ses produits. Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous pensez que notre population commence à le faire aussi, à éviter la contrefaçon? Je le pense. Oui. Je le pense. Il y a eu des accidents malheureux, causés par des produits contrefaits, surtout dans le domaine de la chauffagerie, suite aux accidents domestiques qui ont été déclarés l'an dernier, par exemple. En plus de tout ça, il y a les accidents de circulation, par exemple. Aussi. Oui, parce que en Europe, du moins en France, 7% des accidents de circulation sont dus aux pièces contrefaites. Et ça, c'est des statistiques officielles, 7%. Et chez nous aujourd'hui, on achète une pièce automobile moins chère qui est contrefaite, et on laisse la pièce d'origine qui est plus chère. Donc on préfère aller vers ce qui est moins cher et c'est dangereux, et on laisse de côté ce qui est cher, ce qui est d'origine. Alors je voudrais tout simplement dire comment c'est organisé un peu cette... C'est vrai, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer? Non, je voudrais dire quand... Mais vous parlez de la lutte ou vous parlez de l'événement lui-même? Je parle de la lutte. D'accord. De la lutte, après je passe à l'heure. Alors la lutte, par exemple, on nous dit que les spécialistes, les experts, ceux qui fabriquent cette pièce contrefaite, ces produits contrefaits, alors c'est un produit partiellement fabriqué dans un pays A. Oui. Avec les capitaux d'un réseau établi dans un pays B. Oui. Il l'assemble dans un pays C, le font transférer par un pays D pour le vendre dans un pays E. Et tout ça pour éviter à ce que le produit... ne soit... qu'il n'y ait de traçabilité réelle, voilà. Et qu'on remonte au producteur réel. Cette organisation. On nous a un ophtalmologue que je salue au passage nous a raconté cette histoire de lentilles, par exemple, contrefaites. Oui, même les broches qui donnent des eczémas, par exemple, ça aussi. C'est affreux. Oui. Alors, c'est vous dire qu'aujourd'hui, ces journées sont considérées à juste titre comme un outil de sensibilisation et d'information. Malheureusement. Elles sont destinées à qui d'abord, avant d'aller au malheureusement? Non, elles sont destinées à tout le monde. Il n'y a pas de frontières. Parce que l'entreprise, une fois que l'opérateur économique est sensibilisé, je crois qu'il a un rôle à jouer, il a une mission à accomplir. En plus, et maintenant, il y a les médias
Le rôle des médias est très très important et on compte énormément sur la médiatisation de cet événement pour que le message puisse Alors, arriver au consommateur. Je vais vous raconter l'histoire des médias aussi, si vous le permettez. Je vous en prie. Il y a eu Coupe du Monde en 2014 et en 2010 où l'Algérie s'était qualifiée. Tiens, je vais utiliser un exemple qui parlera à monsieur et madame tout le monde. Le football, l'équipe nationale, tu vois, ça touche tout le monde. Alors vous parlez du rôle des médias et de la sensibilisation et surtout la responsabilité des hommes et des femmes qui font l'antenne au quotidien de représenter au mieux leur pays, de se présenter de la meilleure des manières. Bon, c'est vrai que je ne suis pas le meilleur exemple et tout. Mais moi, ouais, je fais partie de ceux qui disent tout est farras, c'est pas dans l'hatta, prends-toi des mannequins, fais une télévision avec des... Avec des cornichons. Bien. Alors du coup, non, mais pourquoi je raconte ça? C'est que le problème, c'est que nous avons cette mission aussi et cette responsabilité de montrer au moins ce qu'il y a de correct, quoi. Et quand vous parlez de contrefaçon, moi ça me fait rire parce que la plupart des gens qui sont passés et sur les chaînes publiques et sur les chaînes privées pour parler de football sont passés avec des pulls falsifiés. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il y a eu scandale, il y a eu un ou deux articles dans la presse qui ont rappelé à l'ordre les journalistes en disant « Vous devez montrer le meilleur exemple, soit vous portez le pull officiel de l'équipe nationale, soit vous arrêtez de porter les contrefaçons à la télé. » C'est parce que vous ne donnez pas l'exemple, vous êtes en train de faire la promotion de ces produits qui sont contrefaits. Ça c'est significatif, ça a été. Ouais, non, je vous le dis, j'étais sur le plateau. J'étais sur le plateau, mes propres collègues l'ont fait. J'ai été invité sur d'autres plateaux, sur d'autres chaînes de télévision, et d'autres collègues l'ont fait. Donc, vous voyez ? Et continuent à le faire aujourd'hui. Oui, mais disons quand même, il y a ce côté professionnel. J'ai dit par manque de moyens ou autre, nous avons failli sur cette mission, nous avons fait la promotion d'une certaine manière de maillots de l'équipe nationale qui étaient faux, falsifiés, qui étaient falso. Voilà. Pas uniquement ça. Hein. Oui, non, mais après c'était un exemple. Vous avez parlé des pas médias. Pas uniquement ça, non, dans le sport. Dans le sport. Pas uniquement ça, dans le sport. Hein. Oui. Pas que dans le sport. Alors du coup, vous avez parlé, vous avez dit que ça touchait monsieur et madame tout le monde, c'est très bien. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de ceux qui vous accompagnaient et qui parrainaient cet événement, ministère des Finances, ministère du Commerce, ministère de l'Industrie, mais également les douanes algériennes qui seront présentes. 15 participants, 15 experts qui vont défiler sur avec des experts étrangers qui interviendront à partir de l'étranger. J'imagine qu'il y aura vidéoconférence. Oui. Alors, la question, par rapport à la production locale, ce qu'on appelle aujourd'hui la production locale, qui existe sur certains produits, parce qu'elle existe depuis des décennies, mais qui est au stade de l'assemblage sur d'autres produits. On ne parle pas de l'automobile, on met ça de côté, on ne va pas non plus focaliser que sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une contrefaçon ici en Algérie? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire de la contrefaçon localement? Vous voulez parler de c'est-à-dire du que produire de la copier, contrefaçon quoi. Ici, oui. Au-delà de l'œuvre artistique, créative, ça c'est autre chose, le piratage. Ça, je laisserai la réponse aux experts qui seront sur place. Cette question, elle sera posée? Bien sûr qu'elle sera posée, bien sûr. Il y a un opérateur à qui que j'ai appelé, j'ai dit, écoute, il faut que tu participes, il faut que tu viennes assister à ces journées. Alors, cet opérateur me répond tout simplement... Oui. J'ai déjà participé l'année passée. C'est un opérateur économique? Oui. J'ai déjà participé à l'année passée. Qui est oui. contrefait? Attendez. Est-ce que lui est une contrefaçon, mais est-ce que son produit est contrefait? Oui, j'ai déjà participé à l'année passée. Non, mais est-ce que son produit a été contrefait? Oui. Ah, c'est-à-dire que vous voulez dire qu'il a un produit réel existe. Et qu'il existe des contrefaçons de son propre absolument, produit. Absolument. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces journées, on a invité les participants, enfin les représentants des entreprises, oui. à venir avec leurs produits contrefaits. C'est-à-dire qu'il va y avoir un espace d'exposition. Ça. Le vrai du faux, le faux du vrai. Le vrai du faux. Oui. Et puis je regrette vivement la non-participation de certaines entreprises qui jugent que bon, la contrefaçon, c'est déjà, on maîtrise un peu le pourquoi de la chose, donc ce n'est pas la peine d'y aller, ce n'est pas la peine de participer, ce n'est pas la peine de communiquer. On sait tout, et c'est faux, on ne sait pas parce que la contrefaçon, elle n'est pas sous un parasol, vous savez, elle n'est pas en train de bronzer. C'est ça. La contrefaçon, elle attaque les entreprises, elle menace les emplois. Elle menace la santé des consommateurs. Et chaque année,
Chaque année. Et il y a de nouvelles stratégies qui sont mises. Juste dire une chose. Bon, vous n'avez pas répondu sur la question de y a-t-il des usines qui font de la contrefaçon ici en Algérie? C'est très bien, les experts répondront. Oui, 28, 29, oui, à l'hôtel Oraci. Est-ce que les produits algériens sont contrefaits? Alors, la question, elle peut paraître un peu étrange. Ce n'est pas est-ce que les produits chez nous sont faux, c'est plutôt est-ce que l'industrie algérienne, eh bien, il existe aujourd'hui des copies de cette même industrie qui nous envoient de la fausse. Enfin, non, mais par contre, il y a des produits algériens qui sont contrefaits à l'étranger. Je m'explique. Oh, je sais ce que vous avez. Je m'excuse. Vous prenez je ne sais pas, n'importe quel produit fait en Algérie. Oui. Fait en Algérie, mais il est copié à l'étranger. Ouais. C'est le faux. Et puis, vous achetez le produit avec Made in Algeria. Et alors, c'est faux. C'est vrai que c'est un débat tendu, celui-ci. Ah oui, non, je vous assure que c'est vrai. Non, mais moi, je le sais. Mais est-ce que vous savez que c'est des questions gênantes aujourd'hui? Parce que je pourrais en finir avec un point. Un grand salon international qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Vous avez une marque locale qui était installée dans ce salon international. Et c'était une fierté pour nous de l'avoir là-bas. Et le problème, c'est que le constructeur qui vendait à cette marque locale qui écrivait tout Made in Algeria était juste en face, avec sa propre marque. Cher ami, 28-29, je serai présent. Et sinon, ça va? Ça va. Les enfants vont bien? Alhamdoulilah. Tranquille? Alhamdoulilah. Je trouve que vous rajeunissez avec le temps. Je ne sais pas comment vous faites, mais... Avec les produits non contrefaits. C'est ça. il est ouf, le gars. Merci beaucoup, en tout cas, Rachid Kassas. RH International organise donc cette quatrième édition des Journées internationales marque contrefaçon. Ça se passe à l'hôtel Loracy, 15 experts, avec la participation bien évidemment du ministère des Finances, du Commerce, de l'Industrie et des Douanes. Mais un panel d'experts avec des vidéoconférences, avec des conférenciers à l'international qui seront aussi présents et à travers ces vidéoconférences. Et puis, ce sera l'occasion de découvrir un peu tout cela, avec une première partie dédiée à la lunetterie, c'est ça à... Le matin, on parlera un peu de ces lentilles, peu de ces broches, on parlera un peu... Et le salon de la lunetterie, c'est bientôt? C'est bientôt en novembre. En novembre. Bon. Et les étudiants aussi peuvent venir assister. Oui, à ce salon. Oui, bien sûr. Enfin, à ces journées internationales. Oui, ces journées. De toute façon, tu les prendras en charge, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Cette année, voilà, je prends tout le monde en charge. Je vous paie à manger, alors. Avec ma maigre paye. Merci à vous. Merci, au revoir. Allez, camarades, on se retrouve dans quelques instants. Nous, ce qu'on va faire, on va retrouver Amen Nebesh à partir de Annaba. Alors lui, suit pour nous le Festival Méditerranéen du cinéma. Ça se passe depuis quelques jours déjà. Aujourd'hui, rencontre avec un scénariste qui est, par la même occasion, président du jury de cette édition 2018. Il s'agit de Monsieur Jacques Fietchi. Voilà, si on prononce bien. Fietchi, allons-y, c'est avec Amel Nebesh. Amel, bonjour. Amel, c'est à vous. Bon festival, Amel. Bonjour Mahrez, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur Canal Algérie. Nous, on est là depuis déjà 3 jours pour le compte de cette 3e édition du festival du film méditerranéen organisé ici à Annaba. Et quand on parle de ce festival, on parle aussi de ces personnalités présentes pour animer cette fameuse 3e édition. Parmi elles, eh ben, le président du jury nous a accordé cette interview exclusive pour Canal Algérie, pour Bonjour d'Algérie. Il s'agit bien sûr de Jacques Fieschi. Eh ben, c'est le scénariste attitré, j'allais dire, de Nicole Garcia, hein, connu justement pour ça. Bonjour. Bonjour, heureux d'être là avec vous. Eh ben, nous également, on est heureux de vous avoir parmi nous. Tout d'abord, je vais aller droit au but, hein. Qu'est-ce qui a animé votre volonté de venir ici? En fait, oui, là, j'ai dit oui tout de suite, parce que... Pourquoi? Ben, à cause de l'Algérie. Voilà, j'avais envie d'y être, de séjourner ici, de retrouver ce pays où je suis né, par ailleurs. Donc, si on me parle de l'Algérie, j'accours. Il y a aussi cette connexion avec M. Saïd Ould Khalifa. Parlez-moi un petit peu de cette rencontre. Comment vous avez rencontré Saïd Ould Khalifa? Et puis quand on parle justement d'événements, pareil, hein, festival, rencontre, projection, au-delà des films, il y a justement cet esprit de rencontre qui est là.
Il y a ce rapport humain, il y a ces rencontres qui sont décisives, qui font qu'on a envie ou pas d'être dans un lieu. Ben, Saïd, je l'ai rencontré dans un atelier d'écriture que je fais souvent, qui s'appelle Sud Écriture, avec la productrice tunisienne Dora Bouchoucha. Et donc, il avait un film qui était là, qui était le Thé d'Ania, et donc on a travaillé sur ce film ensemble. Ça a été notre premier contact. Ensuite, on s'est toujours vu ou recroisé avec beaucoup de plaisir. Donc, il m'a demandé non pas de présider le jury, d'être dans ce jury. Il m'a bombardé président, je veux bien. Mais enfin, on est cinq jurés et à parts égales dans ce festival. Vous qui êtes l'enfant de l'Algérie, quel est le regard que vous portez en général, je dis bien en général, je ne parle pas spécialement de ce festival car le festival est en cours et on ne peut pas se prononcer concernant les films, mais en général, quel est le regard que vous avez sur le cinéma algérien ? Ben, le cinéma algérien, je le connais un peu dans son histoire, mais ce que je remarque, sans parler des films, parce qu'on n'en a pas le droit, on est tenu au secret, c'est qu'il me semble y avoir un vrai renouveau du cinéma algérien, du jeune cinéma algérien. On dit souvent ça, c'est des propos parfois un peu pieux, mais là, ça me paraît vrai. Il y a des nouveaux metteurs en scène, des garçons, des filles qui ont des choses à dire et qui se servent des thèmes algériens pour en donner une interprétation très personnelle, très subtile, et avec des propositions, de vraies propositions de cinéma, que ce soit dans la thématique ou dans la forme. Donc ça, j'y suis très très sensible. Et bon, tout ce qui vient d'Algérie m'intéresse, m'interpelle, donc je répondrai toujours présent. Quand on parle de votre carrière, ou du moins quand on ne vous connaît pas, on va directement sur Google voir votre biographie. Elle est captivante. Vous avez commencé très très jeune comme rédacteur en chef déjà d'une revue cinématographique. Ça existait en Algérie, aujourd'hui ça n'existe plus. Vous savez, à l'époque, il y avait pas mal de revues de cinéma et donc j'avais effectivement, j'étais rédacteur en chef d'un mensuel qui s'appelait Cinématographe, que j'ai fait pendant une dizaine d'années et qui m'a permis de débuter. Et c'est à travers ces rencontres, ces interviews que j'ai fait avec des metteurs en scène. Tout à l'heure, il y avait Barbé Schroeder qui était là dans le hall de l'hôtel, et en fait, je l'avais interviewé à l'époque quand j'étais un très jeune journaliste. Et donc, à travers ces rencontres avec des cinéastes, j'ai eu ces propositions de certains de ces cinéastes pour débuter dans le scénario. Donc, pour moi, j'ai un peu tout fait dans le cinéma, vous savez. J'ai commencé à écrire sur les films, ensuite j'en ai écrit, j'ai même été un peu acteur, et puis j'ai réalisé. Enfin, comme vous l'avez compris, le cinéma, c'est un peu la trame de mon existence, depuis l'enfance. Moi, j'ai envie de développer avec vous cette idée-là de rencontre qui est importante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes ne doivent pas se contenter que de fabriquer des films, mais encore s'intéresser de ce que fait l'autre, et de rencontrer l'autre, et de lire l'autre ? Bien sûr que c'est capital. Il faut qu'il y ait une circulation des œuvres. Alors évidemment, quand il y a des cinématographies où il n'y a pas tant de films de ça qui se font, les places sont chères, il peut y avoir des rivalités, il peut y avoir des amertumes ou des injustices. Ça, c'est humain. Mais en fait, il y a intérêt justement à cristalliser des forces en commun pour qu'une cinématographie nationale avance. Ça ne peut se passer qu'ainsi, et dans l'échange. Et dans l'échange d'idées, de forces, dans la lecture des projets des autres. Je pense que c'est, si on reste dans la construction, dans un espèce de périmètre purement narcissique, on n'aidera pas une cinématographie nationale. Il faut dépasser ce qui parfois comporte d'irritation, le fait d'être dans un périmètre où il n'y a pas tant de films de ça que ça qui se font. Voilà. Donc, là, vous me tendez un petit peu la perche pour parler de l'écriture du scénario. C'est votre dada, c'est votre spécialité, c'est votre métier, effectivement. On s'adresse aujourd'hui aux jeunes. Quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes ? Quelle est l'astuce, quelle est la formule parfaite pour réussir un film ? Le scénario, il est construit comment ? Est-ce qu'il y a des règles précises ou c'est une question justement d'originalité purement personnelle ?
Il y a quelques règles, bien sûr, narratives, mais au départ, c'est un désir d'expression qui doit se loger en vous et ne plus vous quitter. Et c'est ça la chose la plus difficile. C'est quand on a un sujet, quand on a l'intuition d'un sujet, il faut l'attraper, ne plus le lâcher, il faut dormir avec, se réveiller avec. On est en quelque sorte hanté par un sujet. Tant qu'on ne ressent pas cette nécessité-là de façon très forte, on n'est pas armé pour continuer. C'est ça le plus difficile, c'est d'arriver à cette conviction initiale. Après, pour moi, tout part beaucoup des personnages. C'est-à-dire qu'on crée des personnages, et là, ce que je vois dans les films algériens récents que j'ai vus, c'est cette qualité de personnage, cette subtilité des personnages qui m'a beaucoup touché et absolument convaincu. Et donc, ces personnages-là, on les côtoie, ils deviennent vos proches, on sait ce qu'ils vont dire, on commence par des détails, on se dit, tiens, ils pourraient peut-être dire ça, ou faire ça, un geste parfaitement usuel. À ce moment-là, on n'est pas rentré par la porte, on est rentré par la fenêtre du sujet, mais on habite la maison. Aujourd'hui, il y a comme une unanimité autour des sujets choisis par les cinéastes maghrébins. Et on reste toujours dans un cinéma engagé socialement. Hier, dans le temps, on faisait du cinéma militant, révolutionnaire, anticolonialiste et colonialisme. Et là, aujourd'hui, on s'inscrit dans un cinéma très social, engagé socialement. Est-ce que vous pensez que c'est la société ou les événements politiques qui règnent au Maghreb ont primé sur la qualité et la nature des scénarios et les thématiques choisies par ces jeunes ? On peut difficilement faire l'économie d'un contexte historique et de ce qui s'est passé, par exemple, dans des années noires et sanglantes, ici, dans les années 90, comme autrefois, il y a eu la guerre d'indépendance très sanglante aussi, et donc qui a été traitée dans beaucoup de sujets de films algériens après l'indépendance. Là, on porte... toutes les histoires souvent portent le fantôme de cette époque encore récente. Comment échapper à l'histoire ? Comment l'histoire va s'incarner dans des personnages sans que ce soit pesant ou théorique ou que ce soit des leçons de choses ou que ce soit trop explicite ou trop militant, mais comment subtilement ce rapport à l'histoire va envahir nos vies et nos comportements et nos relations affectives, amicales, amoureuses. Ce sont des enjeux effectivement que je retrouve dans le cinéma algérien d'aujourd'hui et on ne peut pas en faire l'économie. Les jeunes aujourd'hui... donne un bel exemple concernant la production des films. Je trouve, d'après ce que je vois, oui, je vois qu'il y a des désirs d'échapper à des formules toutes faites, des prises de parole neuves, oui, plus subtiles, plus personnelles. Je vois ça en Algérie. De toute façon, il y a une grande intelligence des choses et des situations ici. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'ancienne génération, avec toute son expérience, est utile aussi à ces jeunes. Mais en même temps, les jeunes font paraître des aspects importants, genre alléger des productions, avec des moyens, petits moyens technologiques, et ils arrivent à passer de l'émotion, à faire vibrer le public, à donner de l'émotion, et c'est ça l'objectif aussi du cinéma. Bien sûr, c'est de créer un effet de proximité, d'émotion, de reconnaissance et d'universalité, au-delà des sujets algériens ou français ou que sais-je. Il faut qu'il y ait une adéquation, dans l'économie du cinéma, entre le sujet et par exemple la production. Et à ce moment-là, on peut faire avec peu d'argent des choses passionnantes. Tout dépend du sujet. Chaque sujet doit inventer son propre narration, il doit inventer aussi sa propre économie. Exactement. Monsieur Fieschi, je pense qu'on arrive à la fin de cet entretien. J'ai juste envie que vous me parliez un petit peu de vos projets pour l'Algérie. Est-ce qu'il y aura un comeback en Algérie cette année ? Oui. Mais je ne peux pas dire, c'est pas de la coquetterie de ma part, mais je ne peux pas dire quel est le projet en question. Mais effectivement, j'ai un projet d'écriture que je mets en œuvre où il est question, fortement question de l'Algérie. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation du Bonjour d'Algérie. En tout cas, merci et bon courage pour la suite. Et on se retrouve au palmarès.
comme à l'accoutumée, Mahrez, donc on donne le programme de ce dimanche 25 mars. Au début, la journée va commencer avec l'aube des damnés. C'est un hommage à Mouloud Mamri. C'est un film d'Ahmed Rajdi qui a été fait en 1964. C'est le premier documentaire de l'Algérie indépendante. Puis de Homs, de Joud Saïd, qui va être projeté à 14h30, c'est la première séance donc de l'après-midi à la salle ou au théâtre régional Medjoubi, et puis les Patriotes, et on finit avec la soirée spéciale Nawel Medeni. Voilà, c'est dit. Quant à moi, je vous dis excellente journée avec nous sur Canal Algérie, et je vous dis à demain. Au revoir à Mahrez. Au revoir camarades, et à demain. Vous serez en direct à partir de d'Annaba avec Radia Boulmaali cette fois-ci. Allez, la matinale, mesdames, messieurs, elle continue. On va parler du Salem. Salem 2018, c'est le salon de l'emploi. On en parle ce matin avec trois participants, trois exposants. Après avoir donné la parole aux organisateurs, place à présent à ceux qui font l'économie actuellement sur le terrain, ceux qui ont bénéficié des différents dispositifs de financement des entreprises et ceux qui œuvrent sur le terrain. Avec nous ce matin, Madame Radia Lkhel. Alors vous êtes médecin spécialiste, anesthésiste spécialiste en anesthésie réanimation. Vous avez lancé votre structure, une structure de soins à domicile. Ça s'appelle Faraj. Oui, tout à fait. Et ça a été lancé en 2017. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Nawel Ayadi, alors vous êtes gérante d'une micro-entreprise que vous avez lancée en 2015. Vous êtes spécialisée dans la fabrication de flexibles hydrauliques et métalliques. Ça s'appelle Flexi Système Algérie. Oui, bonjour. Et vous avez, vous aussi, bénéficié d'un financement en SEJ. Et puis avec nous aussi, Yacine Azirou. Alors vous aussi, vous prenez part à ce Salem 2018. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle GNS, Great Network Solution. Ça a été lancé en 2012, par contre. Oui. Et vous, vous entamez le remboursement de votre crédit. Oui, j'ai déjà entamé le remboursement de mon crédit. Ça fait pratiquement deux ans de ça. Oui. J'ai commencé à rembourser le plus longtemps possible. Alors, vous avez des crédits complètement différents. Hein. Alors, pour vous, pour GNS, c'était 2,8 millions. C'est 2,8, oui. Alors, qui valent pas plus grand-chose aujourd'hui. Enfin, en termes de valeur monétaire. En termes de valeur monétaire, entre par rapport à la dévaluation. Et 2018, il y a eu inflation. Alors, pour vous, pour les flexibles métalliques et hydrauliques, alors vous étiez sur un investissement de 5 millions de dinars. Tout à fait. Toujours via l'ANSEJ. Ouais. Et madame, pour les soins à domicile, vous êtes sur un investissement de 9 millions de dinars. De 9 millions de dinars. Tout à fait. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. Comment se passe ce Salem? Ça va, c'est intéressant. Ne vous inquiétez pas, ça a commencé. Oui, le mercredi. Oui, et alors? Le salon? Bah oui, parlez-nous un peu de votre participation. Bah, moi, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois que je participe à ce salon. Donc, il y avait le salon Salem 2015. J'ai participé au salon 2015, 2016, 2017. Je crois qu'il n'y avait pas de salon en 2017 et cette fois-ci. Donc, Il est important pour vous de revenir vers ce carrefour à chaque fois? Oui, je dirais que mes deux passages précédents donc, ont apporté un peu leurs fruits. Il y a des contacts, il y a pas mal de visiteurs. Donc, que ce soit, donc, moi personnellement, quand je pars sur ce salon, c'est pour recruter des gens. Donc, c'est le thème du salon. C'est le salon de l'emploi. Donc, il y a pas mal de demandeurs d'emploi. Et nous, on propose à chaque fois des postes, que ce soit dans le domaine technique ou dans le domaine commercial. Donc, généralement, soit des commerciaux, soit des techniciens. Et ce salon-là, bien précisément, en 2018, je suis là-bas, je suis présent pour faire valoir un peu l'entreprise avec les nouveautés. Donc, on a apporté pas mal de nouveautés. Donc, à chaque fois, on évolue. On a commencé juste avec du câblage. Aujourd'hui, on fait pratiquement, on est partenaire avec pas mal de grandes marques dans le domaine de sécurité informatique, tout ce qui est détection d'incendie. Donc on est vraiment un partenaire avec une marque bien précise. Et puis donc on a développé ce produit. Algérienne ou une marque internationale? C'est une marque qui est mixte, on va dire. Elle est fabriquée en Algérie. Qui s'appelle? Je pourrais citer le nom de la marque. Je peux boire de l'eau? Oui, bien sûr. C'est Almitech. Pardon? Almitech, c'est un Algérien qui fabrique des systèmes d'alarme.
D'accord. Et enfin, c'est... système d'alarme, système de détection d'incendie. C'est une société mixte ? Non, enfin, je pourrais pas parler de l'entreprise en elle-même, je ne connais pas vraiment... Quelle est la nationalité ? L'autre nationalité ? L'autre nationalité, je ne connais pas, non. Mais d'accord. Je sais qu'ils fabriquent ces produits ici en Algérie, localement. Et c'est votre partenaire depuis toujours ? Ouais. Et vous l'avez rencontré grâce au Salem ? Non. Je l'ai rencontré grâce à un salon. D'accord. Grâce à un salon Didier dans ce, enfin, un salon de métier, donc salon des, de tout, enfin récemment, je me rappelle pas le nom du salon, mais c'est uniquement dédié aux gens de l'informatique. Système. Non. De la détection de la vidéosurveillance. Ah, le salon qui a eu lieu il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Oui. Salon de la sécurité. Salon de la sécurité. Exact. Ça va ? Ça va, oui. C'est votre premier passage télé ? Non, c'est pas le premier, non. D'accord, mais je vous vois très calme. C'est une émission qui vous plaît pas trop ? Non, pas du tout. Non, ça va aller ? Oui. Très bien. C'est votre premier Salem, vous ? Oui, c'est mon premier, tout à fait. Bah oui, vous avez lancé en 2017. Oui, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette entreprise ? Alors, je suis médecin spécialiste, comme je l'avais dit. Donc, j'ai à mon actif 10 ans d'expérience. Oui. Et puis, durant mon expérience... Donc on a palpé un besoin réel sur le terrain. Il faut savoir, selon les dernières études statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie en Algérie est estimée à 75 ans. Pour les hommes ou pour les femmes, elle est différente. Oui, donc c'est les femmes plus que les hommes en réalité. Et puis avec l'apparition de pas mal de maladies chroniques, et s'ajoute le nombre important des cancéreux en Algérie. Et paradoxalement, on se retrouve avec un encombrement des pavillons des urgences, avec un temps d'attente qui n'est pas négligeable. Ouais. Pour cela, donc, c'est une activité qui a été récemment agréée par le ministère de la Santé. C'est en 2015. Donc, il faut savoir, la première hospitalisation à domicile a été faite au niveau des États-Unis en 1950. Donc, et puis 12 ans après, il y a eu cette réglementation et l'encadrement de cette activité de soins et d'hospitalisation à domicile en France. Et ici, nous, en Algérie, c'est-à-dire le ministère de la Santé vient donc d'agréer et d'encadrer cette activité. Avant de lancer Farage, vous étiez dans le secteur public ou privé ? Non, public, non. Public, vous étiez dans un établissement hospitalo-universitaire ? Universitaire, tout à fait. Vous étiez dans lequel ? C'est l'hôpital hospitalo-universitaire de Bebelouet, d'accord. L'hôpital Maillot, voilà. Ouais. J'étais à la clinique du Rondeau, j'exerçais mon activité autant que médecin spécialiste en anesthésie-réanimation. Depuis le lancement de votre entreprise ? Racontez-nous un peu de quoi est fait votre quotidien. D'abord, c'est combien d'emplois créés ? Oui. Et une journée type, ça se passe comment chez vous ? Oui, tout à fait. Alors, notre activité, comme j'avais dit, c'est une activité récente. Donc, on a un plateau d'une équipe pluridisciplinaire constituée de médecins généralistes, médecins spécialistes, d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de psychothérapeutes, et puis avec un staff administratif et logistique. Donc, c'est une équipe qui est dotée d'un plateau technique adapté pour pouvoir transporter, faire des explorations et faire même une hospitalisation de qualité au domicile du patient. Donc mes journées, c'est des journées dures quand même, c'est des journées de 6h du matin à minuit, ça travaille tout le temps, donc avec des hauts et des bas. Là, vous dites pas ce que vous faites durant votre journée. Avec je vous ai demandé une journée type, oui. C'est-à-dire sur quel type d'intervention vous faites sortir vos équipes, c'est combien de personnes qui travaillent autour de vous, c'est quel type de pathologie, de maladie ou de cas que vous rencontrez le plus souvent. Oui. Par la même occasion, je coupe juste pour dire que nous sommes en train de voir des images de ce Salem 2018 avec les différents exposants qui sont présents à cette nouvelle édition. Allez-y, madame. Alors, 80% de nos interventions, elles sont donc ciblées sur la gériatrie. Et puis le reste, c'est des interventions qui se font dans le cadre de l'urgence. Voilà. Et puis donc, il faut savoir que notre activité est assurée 7 jours sur 7, 24 sur 24 heures. Donc, notre staff donc, est constitué de 10 personnes, ouais. D'accord, entre médecins et infirmiers. Voilà. C'est-à-dire, la première enquête se fait au téléphone quand on vous contacte. Tout à fait. Là, déjà, vous voyez ce qu'il faudrait que vous mettiez à disposition pour cette intervention. Tout à quel fait. Type de médecin, quel type de spécialiste. Tout à fait. Au bout du fil, donc, on a affaire le plus souvent à la famille du patient qui nous appelle. Et puis, il y aura un médecin au bout du fil. Vous les soumettez à un questionnaire. Tout à fait. Il va interroger afin d'établir un prédiagnostic et d'établir un point important, c'est le degré
degré d'urgence de la situation du patient, déjà pour pouvoir l'orienter. Si son cas nécessite une hospitalisation conventionnelle, s'il est en détresse respiratoire ou hémodynamique, l'idéal c'est d'appeler le SAMU pour pouvoir l'orienter vers une structure adaptée et voilà, d'urgence, tout à fait. Dans si ce c'est type pas de cas, vous n'intervenez pas ? Déjà, on intervient pour faire les premiers soins d'urgence, s'il y en a sur le coup, et de pouvoir orienter aussi le patient vers la structure adéquate. Dans les plus grands délais. Disposez-vous d'ambulance ? En réalité, notre activité donc réagit à un cahier de charge. En réalité, on n'a pas le droit de transporter le malade. On est conventionné avec donc des gens qui sont dans le transport médicalisé, tout à fait. Voilà. Vous avez dit que c'était une activité... On va voir le reportage dans quelques instants. Vous avez dit que c'était une activité qui était autorisée par le ministère de la Santé, de la Population depuis une année seulement. En 2015, voilà. Donc plutôt depuis 3 ans. Oui. Bientôt. Est-ce que les frais sont remboursés par la Sécurité sociale ? Tout à fait. Oui. En réalité, le point noir de notre activité, cheval de bataille, c'est des soins qui ne sont pas malheureusement remboursés par les différentes caisses d'assurance. D'accord. Voilà, c'est ça. Qui ne sont pas remboursés par les différentes caisses d'assurance. Donc on essaye de travailler dans ce sens pour pouvoir donc, étaler cette activité pour les différents, c'est-à-dire même les patients les plus démunis. Vous avez soumis le dossier au ministère de la Santé, à la CNAS et... Pas encore, réellement pas encore. Oui. Il y en a pas encore. Parce que vous allez être un peu, en fin de compte, vous êtes le porte-drapeau de cette activité qui se développe doucement. Tout à fait. C'est une nouvelle activité en Algérie. Donc, vous êtes nombreux en Algérie ? Pas trop. Non, pas moi, à ma connaissance, on est 3. D'accord. Voilà, agréés par le ministère de la Santé. Voilà. On a eu un bon feedback, c'est-à-dire un feedback positif. Donc la population algérienne donc, a bien reçu ce genre d'activité. Voilà. Une insuffisance respiratoire en cas d'intervention, ça tourne autour de combien ? Ça peut aller. Je sais qu'il y a beaucoup d'invités qui détestent parler d'argent sur le plateau. Oui. Mais quelquefois, ceux qui nous regardent ont peut-être besoin d'avoir juste des indications, pas le prix réel. Oui. Genre, vous avez débarqué, ils ne vont pas vous dire à la télé que tu as dit 3 500. Oui. Mais juste pour savoir un peu ce que coûte aujourd'hui une prise en charge à domicile. Déjà, notre consultation, elle commence à partir de 3 500 dinars. D'accord. Donc voilà, donc les jours donc, de semaine et le week-end et la nuit, c'est 4 000 dinars. Voilà. Donc, à partir de là, et puis, à partir ça dépend de la complexité des cas. Tout à fait. Et puis en examinant le malade, il y a des malades qui ont besoin d'oxygénothérapie, d'un traitement intraveineux. Et voilà. Et vous sauvez des vies. C'est notre métier, je pense, que ce soit que j'étais au public ou bien dans le secteur privé, la noblesse du métier, elle ne va pas nous quitter, hein, vous savez, tout à fait. Non, mais intervenir à la maison, ça sauve des vies parce que quelquefois, c'est le trajet qui fait que... Qui fait que, bien sûr. La personne décède et qu'elle disparaît. Okay. Madame, on a vu quelques images. Ah, vous étiez belle, hein. Et votre stand aussi, hein. Merci. Ah, il était beau. C'est gentil. Allez, vous êtes dans un tout autre domaine. Ouais. Alors, je ne vais pas faire mon misogyne un peu sexiste qui dit « oui, c'est un domaine d'hommes » et autres, mais c'est réellement le cas. C'est tout le monde qui le dit. Hein. Oui, mais c'est vrai en plus. Pratiquement. Mais en même temps, vous avez prouvé que non, parce que ça marche pour vous depuis 2015. Ouais. Ça s'appelle FlexiSystem Algérie. Flexible System Algérie. Flexible System Algérie ou Alger ? Alger. Pourquoi Alger ? C'est par rapport au registre commerce, ils ne m'ont pas donné la nomination. Ils n'ont pas voulu vous donner l'Algérie. Ouais. Je ne savais pas. Au registre commerce. Bonjour, mon entreprise s'appelle MHD. Non, tu t'appelleras MHS. MHD. Alors, si vous le permettez, on va y revenir dans quelques instants. Et puis, on va poser la problématique du salon 2018. On va parler de la crise, est-ce que vous la ressentez ou pas. Mais ça, ce sera juste après ce reportage. Parce que c'est Badia Marni qui a été vous rendre visite. Vous tous réunis. Ça se passe au Salem et ça tombe très bien. Voici les images. Voici le reportage de notre consoeur de la rédaction de l'information. Pas moins de 60 micro-entreprises créées par des ressortissants algériens à l'étranger ayant décidé le retour en Algérie sont présentes au Salon national de l'emploi. C'est à l'exemple de Adel qui évoque sa grande ambition de servir son pays et de mettre en pratique son projet consistant en la fabrication de produits alimentaires bio. Alhamdoulilah, وزاره العمل عاونتنا باش نرجعوا لبلادنا pour donner un petit peu cette connaissance qu'on a pu éventuellement acquérir à l'étranger. Donc le but à notre société, c'est de travailler sur l'alimentation de demain. Rahna nkhdemou باش نعطيو des produits aux consommateurs 100% naturels. À l'instar de Adel, d'autres jeunes ont investi différents domaines productifs et ce, grâce à l'aide qui leur est accordée par l'État. J'ai le concept à la Suisse.
Dorka, on le fait à Nafel Jazayer. On l'a fait à l'aide de l'ANSEJ. Voilà, on a tout ce qui est chalet pour les campings, pour le tourisme. Depuis que je suis petit, j'ai le bled de l'intérieur. Donc je voulais ramener le savoir-faire de la Suisse à Nafel Jazayer. J'étais à l'étranger, je travaillais dans le domaine des flexibles. J'ai eu l'idée de venir et d'installer des ateliers mobiles en Algérie, car ils sont inexistants. La CNAC m'a beaucoup aidé. Je vivais à Londres, je suis revenue en 2014. J'ai décidé de créer une entreprise. J'ai traduit l'idée sur le terrain grâce au soutien de l'ANSEJ. Tous ces jeunes ont réussi certes, mais leur participation au développement économique reste tributaire des plans de charge et des marchés décrochés. Leurs préoccupations sont ainsi soulevées. Je demande au gouvernement et à l'État de nous aider. Nous avons 20% du marché public. Nous aimerions bénéficier d'un peu plus de soutien. Il est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont pas bénéficié de marchés publics, mais d'autres si. Nous essayons toujours d'aider ces jeunes d'accéder à ces marchés. J'ajoute que le cahier des charges des marchés publics est en phase d'élaboration. Exposer ainsi ces expériences réussies des jeunes permet de montrer la voie à d'autres porteurs de projets, parmi la jeunesse algérienne. Alors on a vu ce reportage Badia Amarni qui nous parlait donc du Salem 2018. On a eu l'occasion de voir vos concurrents et vos partenaires, mais également vos collègues de stand, vos voisins, qui exposaient donc à l'occasion de ce Salem. Alors juste, je reviendrai, parce que je m'étais arrêté à vous, qu'est-ce qui vous a amené vers la pièce de rechange? Enfin, vers les flexibles, pardon. Oui, c'est une pièce de rechange. Ok, bah c'est très bien. D'accord. Là, l'idée, c'est-à-dire, moi, j'ai attiré sur le terrain de l'hydraulique. Oui. C'est par rapport aux constructions, c'est-à-dire tout ce qui est construction LPP, ADL et tout. Il y a des engins qui sont fonctionnels. Mais vous n'allez pas me dire que vous êtes passé un jour devant un chantier ADL. Non, non, c'est pas le cas. Moi, je suis une femme. Je devais faire un projet. Et pratiquement, tout le monde me dit pourquoi vous avez choisi ce projet. C'est ça. Je pouvais faire les gâteaux, peut-être la coiffure, peut-être les cidiques, etc. Là, c'est sexiste et misogyne. Ouais. Non, je parle. Vous auriez pu faire une toute autre activité. Ouais. Non. C'est-à-dire moi, j'ai comme j'ai... les filles à papa ou les filles à maman, vous auriez pu faire de la communication, par exemple. Tout à fait. Ouais. Ils se reconnaîtront. Mais non. J'ai vu, c'est-à-dire l'idée, c'est à l'aide de mon frère. Il travaille avec une société et il m'a dit pourquoi pas, c'est un produit consommable. Oui. C'est-à-dire pourquoi ne pas. C'est un projet porteur. Oui, c'est ça. Et il est vendu partout. Regarde, il y a beaucoup de constructions, il y a des engins, il y a des poulains, il y a des camions à presse. Ouais. Donc j'ai dit pourquoi pas. Il y a du potentiel. Et puis j'ai travaillé déjà au domaine de l'hydraulique, j'ai travaillé dans le tube en acier, donc pratiquement j'avais une idée. J'étais collaboratrice avec une société allemande. Donc les normes du tube, pratiquement, je connais là où ça se passe. Oui. Les vannes et tout, ça marchait. Pourquoi ne pas tenter ça? C'est un peu... Alors, pourtant, vous lancez un message dans ce reportage, vous dites, nous avons besoin d'accéder au marché public. Pourquoi ils sont difficiles d'accès aujourd'hui? Vous savez, moi, quand je parle en général, c'est par rapport aux jeunes promoteurs comme moi. Oui. Peut-être moi j'ai accès, je peux défendre mon produit et je peux convaincre mon client comment vendre et comment l'acheter, comment cette pièce, c'est une pièce d'usure et comment la changer. Oui. Mais pour d'autres promoteurs, je pense qu'ils n'ont pas d'accès sur le marché. Et puis je vois que les sociétés étatiques... Ah, donc vous avez été solidaire avec ceux qui n'ont pas accès au... Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Ah non, mais c'est très bien. Je pensais que c'était... Je vois que l'État nous a accordé un crédit, madame, 9 millions de dinars, moi 5 millions de dinars. Mais en parallèle, il faut nous donner du travail en parallèle. Vous savez que vos 5 millions de dinars d'il y a 3 ans valent aujourd'hui un de plus, hein. C'est ça, si ce n'est peut-être plus. Donc comment les jeunes promoteurs ou moi, personnellement, madame, pourraient rembourser leur crédit si on n'a pas du travail sur le marché public? C'est ça. Si on passe vers le privé, c'est vrai, il y a un peu de travail, mais pratiquement les sociétés nationales. Moi, j'ai vu, ça m'a permis dans le salon Salem de trouver de jeunes promoteurs talentueux, c'est-à-dire des gens qui produisent, des ingénieurs. Pourquoi ne pas les aider? Leur donner la chance de travailler quand même. Ils ont un crédit, donnez-leur la chance de travailler pour qu'ils puissent rembourser leur crédit. Moi, c'est un objectif pour moi. Tout à fait. Ouais.
Et c'est bien dit. C'est ça. Donc, mais je leur annonce un petit passage. C'est, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut avoir la volonté et ne pas, c'est-à-dire, se décourager. Parce que les aléas. J'ai des clients, j'ai la CEAL, j'ai la Netcom, j'ai Asroot, j'ai Alhamdoulilah. C'est ouais, vous êtes un bel exemple pour les gens qui nous regardent deux aujourd'hui. Deux ans, moi j'accède aux portes, je tape. Vous allez je... en mode agressif. Non, pas du tout, non, au agressif, contraire. Pas au sens psychologique. C'est pour atteindre mon objectif. En communication et en marketing. Pratiquement, j'ai le suivi, je ne lâche pas. Oui. Mon gain, je ne le lâche pas. C'est-à-dire, je mets ma proposition, après je fais mon suivi, là où ça peut marcher. C'est-à-dire, je vois où le parcours de mon objectif, où il va en arriver. C'est important pour moi. Oui. Et puis, je pense, à la fin, je peux atteindre à mon objectif. Oui. C'est ça. Monsieur ? Oui. Vos marchés à vous, c'est public, privé ? Plus privé que public. Donc, vous proposez quel type de service ? Oui. Quel type de service vous proposez ? On propose tout ce qui concerne, enfin tout ce qui est en relation avec un système d'information ou un système informatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela va de la simple prise informatique dans le sens où elle câblée et tout, donc une prise RJ45, on va dire, dans le terme technique. Ça va de l'interconnexion de site ou aller sur de la protection. Donc on a soit la réalisation de tout ce qui est réseau informatique, on est sur les data centers, on est sur de tout ce qui est aussi, enfin courant faible en général. Mais on a des partenaires dans le domaine de la sécurité informatique. Donc, combien d'employés aujourd'hui chez GMS ? Aujourd'hui, on est 6 et je compte, Inch'Allah, je recrute, Fahad le salon, Inch'Allah, 3 autres personnes. Donc on va être en nombre de 9. Pour vous ? GK. Pour flexible système Donc j'ai commencé avec 2, je suis à 4. Vous avez une petite fabrique, c'est ça ? Oui, j'ai un petit atelier qui consiste de 3 machines, la machine de la coupeuse, et une dénudeuse et une sertisseuse. Je travaille selon des normes. Donc tout d'abord, je passe au chantier pour voir mon diagnostic sur quel genre d'engin. Où est l'usure de mon produit. Après, je démonte, je reviens à mon atelier, je fabrique le flexible, après je le rends à mon client, je le place. J'ai deux ingénieurs sur chantier, un hydraulicien, c'est-à-dire je fais la tournée quand il y a... pratiquement, je fais même les camions, les divideurs, les camions à presse, les camions à céal, les camions des déboucheurs, tout ce qui concerne, pas spécialement uniquement les engins, les pouclins, GCB, Liber, tout ce qui concerne engins et camions, tout type d'engins, les camions, les voitures, les flexibles de climatisation, on fait tout, les Karchers, etc. Aussi. Oui, bien vous sûr. Sentez la crise ? Je vous explique, on est en 2018, on se dit la vérité, monsieur et madame, tout le monde nous regarde et ils ont accès à Internet. La crise, moi je l'ai senti, moi je l'ai vécu en 2017, ça a été une année vraiment, vraiment trop et vraiment difficile, oui. Ouais. 2017, ça a été vraiment difficile, d'ailleurs, je ne vous cache pas, carrément à un moment donné, en mois d'août... Vous avez eu envie de fermer. J'avais plus envie de continuer, vu... Certains problèmes que je ne peux pas évoquer ici peut-être, mais il y a des enfin, les créanciers. Bakchich, oui. Oui. Je ne vous cache pas, j'étais approché par des gens où ils ont demandé carrément. Non, Bakchich, c'est un peu... Non, maintenant, c'est Kahwa, c'est juste un petit truc pour que je puisse aller de l'avant. On vous demande de les inviter à prendre un café ? Oui, un café, ou comme certains. Je t'invite, mais je ne demande pas, mon père. C'est pour l'anecdote, c'est chez Bli Yasmine. Ça, c'est, je peux citer son nom, c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est Adel Imam sur le film. Il disait, je me suis dit, Cheikh Bli Yasmine, voilà. On est en justice dans pas longtemps. Non, donc vous avez parlé de... Oui, voilà, c'est un peu ça. Oui. Et puis l'année 2017, sincèrement, j'ai eu, si je peux donner un chiffre, j'ai une entreprise, j'ai une multinationale qui ne m'a pas payé pour un montant de pratiquement dans les 5 millions de dinars. Ouais, ce qui est fou. Hein. À ce jour. Donc le projet il a été réalisé en 2016. À ce jour, je n'ai pas été payé. Donc l'affaire. Vous savez qu'il existe des dispositions aujourd'hui qui vous permettent de récupérer votre argent via votre banque. Non, mais le dossier est en. Ah, d'accord. Ok. Ça suivra son cours, voilà. C'est au niveau de la justice. Oui, mais quand même, c'est ça vous fait de la peine et ça vous décourage quelquefois. Ouais. Je vous comprends tout à fait. Il y a parce que c'est des réalités.
se raconter. Les jeunes entrepreneurs, que rencontrent-ils? Des réussites et des succès, c'est bien, et vous l'incarnez aujourd'hui, mais aussi des difficultés au quotidien sur le terrain, parce qu'on ne les met pas forcément sous les projecteurs quand ils passent par une période de déprime, quand certains leur demandent des petits trucs qui ne vont pas avec leurs valeurs et avec les principes même de notre culture, de nos traditions et de notre religion, et surtout des principes de fonctionnement de toute entreprise partout dans le monde. Et il est important aussi d'évoquer ces problèmes. Moi, ça me rappelle la petite histoire, je vous raconte juste ça en deux mots. Allez-y. C'est dans le secteur du tourisme, quand vous en avez un qui détient un marché et que l'autre lui dit donne-moi 50% de ce que tu vas gagner, alors que ces 50% sont déjà 25% de votre bénéfice total. Tout à fait. Je connais. Super. Et je connais, vous allez entendre bientôt parler de ça, parce que c'est un gros dossier qui est en préparation, c'est affreux. Madame, que pourrait-on vous souhaiter pour la suite? De la réussite. Oui. La réussite et pouvoir faire connaître cette activité et la faire accepter, voilà. Et pouvoir aussi travailler sur le côté, pouvoir rembourser cette activité pour pouvoir, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, et aussi pouvoir toucher le maximum de population et même les catégories de malades les plus démunis. Ouais. J'ai raté la dernière partie, mais c'est pas grave. Alors du coup, pour la rediff, tiens, je vais réécouter ce soir, ce sera à 12h30 sur Canal. Alors du coup, bon, ben, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de réussite. On espère que ce sera remboursé bientôt par la CNOS. Bah oui, parce que ce serait important, ça pourrait vous permettre de faire évoluer l'activité, qu'il y ait un maximum d'entreprises, pas que la vôtre, partout sur le territoire national. Et pouvoir s'élargir aussi sur les 48 wilayas, c'est important. Pour vous aussi, surtout. Oui. Alors du coup, ça s'appelle Faraj. Al-Faraj, soit à domicile Al-Faraj. Exact. Ils peuvent nous contacter via notre site web www.sahatifidari.com ou bien Sahatifidari. En arabe ou en français? C'est en arabe, arabe. Sahatifidari, comme ça se prononce. D'accord. Voilà. Donc pour les francophones qui ne savent pas écrire en arabe, c'est foutu. Non, pas en arabe, c'est-à-dire comme ça se prononce. Ah, en arabe, ça, comme ça se prononce. S-I, voilà. En lettres latines. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà. Sahati avec S-I-H-A-T-I. Tout à fait. Fidari. Ou bien via notre page Facebook, soit à domicile Al-Faraj. Super, magnifique. Voilà, merci. Madame, alors, s'il manque des boulons sur ma voiture, je vous appellerai. Il n'y a pas de souci. J'ai décidé de garder ma voiture. Je la répare, telle qu'elle est. Ben, super. Ben, pour nous contacter. Pour nous contacter, je vais vous donner ma carte. Non, pas moi. Regardez, vous avez appelé depuis tout à l'heure. Ben, c'est très bien, parce que depuis tout à l'heure, ceux qui nous regardent, ce ne sont peut-être pas de grands acteurs économiques. C'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent avoir besoin de vous. Donner l'accès aux jeunes. Donner l'accès aux jeunes pour travailler. Il faut leur donner la chance. Il y a des volontés, il y a des gens talentueux. Pourquoi ne pas les laisser travailler? Vous savez que la jeunesse, c'est jusqu'à 70 ans en réalité. C'est ça. Donc, laisser les jeunes entreprises et si on bouge en. Les gens qui ont du crédit comme nous, les gens qui ont du crédit et tout, donnez-leur la chance de travailler pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes et s'évoluer dans leur vie quand même. Facebook? Ben, www.flexivsystem. C'est le site, flexivsystem.dz. Super. Monsieur. Donc voilà. Payez-moi mes 5 millions de dinars, s'il vous plaît. Non, du tout, mais ça c'est vrai. Sincèrement, c'est et ça, j'en ris, mais sincèrement, moi ça me fait de la peine parce que parce que je sais ce que vous ressentez en réalité. Sincèrement, j'ai dépassé ça parce que si j'avais pas dépassé ça, sincèrement, j'aurais fermé. Non, j'aurais fermé. Et puis 2018, ça s'annonce une année quand même assez intéressante, Inch'Allah. Donc même avec ce salon-là, donc je remercie, si vous le permettez, Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Et M. Mourad Zemali, donc ça lui tient vraiment à cœur ce salon, donc la réussite de ce salon. Et j'espère la réussite pour tout le monde, même les dames qui sont là présentes au plateau. Vous dites même les dames, c'est-à-dire pas les autres, mais Non, même ceux qui sont là déjà. Ouais. Donc je parle par rapport au salon, donc la réussite au salon. Et puis sincèrement, j'ai un petit message à passer, si c'est possible, Je viens que ma collègue rejoindre la dame Lana pour les 20% qui nous ont, qui sont dédiés aux jeunes entrepreneurs. Ouais. Donc, de la part de ça, c'est pour les marchés publics. Sincèrement, il faudrait qu'ils les mettent vraiment. Vous voulez dire qu'il y a une loi aujourd'hui? Il y a une loi, non, ça existe depuis longtemps. Il y a un décret, oui, c'est très bien. Loi, voilà. Décret, si vous le souhaitez.
Alors, qui existe. Qui existe et on ne voit rien de tout ça. C'est ça. Il y a un quota de 20% pour les entreprises. De 20% pour les micro-entreprises. Donc, côté législatif, donc côté... Sur l'application, on y est. Sur l'application, tout à fait. Ouais. Donc, elle est 1%. On aimerait bien... L'application, elle est 1%. Et ça va aider... Vous avez un chiffre réel. Attendez. Quand on annonce un chiffre, on l'assume ici. Oui. Vous avez la certitude qu'il est à 1%? Bien sûr, moi je présente toujours. Moi je présente toujours. Oui, moi je présente toujours la loi, cette loi, et je vois parmi 10 sociétés, là où je soumissionne, il y a une société. Vous avez fait vous-même votre calcul. Non, c'est-à-dire par 10 sociétés là où je présente, il y a une société qui peut répondre à ce décret. Je peux vous donner juste une information, c'est que le dispositif ANSES CNAC, il donne des CD avec les noms des entrepreneurs au niveau de toute wilaya. Donc chaque wilaya elle a un CD à jour de tous les noms des micro-entreprises issues de ces dispositifs. Voilà. 1%, on le rappelle. GNS sur Facebook, j'imagine. GNS, site GNS, c'est Grid Network Solutions sur Facebook et www.gns-dz.com. Donc, sur le site TANA. .com, voilà. Pour les moins branchés, c'est .com. C'est .com. Voilà. Merci, mesdames. Merci, monsieur. Bonne chance. Merci. Bon salaire, parce que ça continue jusqu'au 27 mars prochain. Merci à madame Radia El-Khael, madame Yes. Madame Nawel Aïgadi et monsieur Yassine Azirou. Merci beaucoup. Voilà, venu parler ce matin de leur participation au Salem et des difficultés rencontrées au quotidien par les jeunes entreprises. Jeunes entreprises, jeunes par l'âge et talentueuses par le talent. C'était facile celle-là. Allez, du coup, nous on part au Palais des Raïs pour retrouver Sabrina Khlifi. Elle nous parle d'une exposition. C'est sur le design. Allons-y. La brocanterie, ce qui va aller. Tout au long de ce mois de mars, les femmes sont à l'honneur au Palais des Raïs, afin de leur permettre d'exposer leurs œuvres et leur savoir-faire. Soyez les bienvenus au Palais des Raïs, qui a consacré tout un mois pour les femmes, uniquement pour les femmes, où on a tracé tout un programme. Chaque semaine, on a un thème. Alors la première semaine, c'était la décoration et l'art, la femme et la décoration et l'art. La deuxième semaine, c'était la femme et la gastronomie. La troisième semaine, c'est la femme et l'environnement, le recyclage. Et la quatrième semaine, ça sera la femme et le fil. Cette semaine est consacrée à l'environnement et au recyclage. Les œuvres exposées sont faites exclusivement de produits recyclés. Bijoux, sacs, peintures, tapis et objets de décoration. Je suis contente d'être invitée par le Palais des Raïs, c'est un très bel endroit et je suis très très contente de pouvoir exposer mes œuvres et dans un si bel endroit. Alors les œuvres, vous avez beaucoup d'ethnies, donc tout le mélange d'ethnies, donc vous avez un peu de Al-Nasahra, il y a le Tibet principalement, il y a un peu d'Afrique, il y a un peu de tout. Voilà. Il y a des sacs aussi. Il y a des sacs, comme c'était l'environnement, donc c'est des sacs qui ont été recyclés. Avec des motifs berbères principalement, voilà, pour qu'il y ait notre petite touche à nous. À la base, ce n'était pas vraiment les bijoux, parce que je me suis lancée sur le concept de Galerie Le Pan. Mais vu que j'ai regroupé dans mon concept le côté à l'artisanat, donc j'ai fait créer un bijou, oui, Le Pan, d'ailleurs, enfin, qui représente mon logo principalement. Voilà. C'est en argent avec du corail et c'est une marque déposée. J'expose donc dans ce joli château ou palais, comme le nom le dit bien. Donc mes tableaux en aquarelle. Donc au début j'étais sur le bois, puis de l'argile. Et là je pense que l'artiste, autant qu'il veut, il peut évoluer selon ses désirs. Voilà, donc je suis passée à l'aquarelle et voilà, celle-là c'est ma première collection et c'est ma deuxième exposition. Je m'inspire de tout ce qui est en relation avec notre pays, les traditions, la vie d'autrefois et tout ce qu'on a un petit peu perdu de nos jours, parce qu'on est un petit peu emporté par la vie, la technologie. Donc je suis très attirée par les scènes de hammam, les scènes familiales, les scènes au niveau des montagnes, de la campagne et tout. Donc j'essaie de reproduire ça à travers mes tableaux. Et c'est une manière aussi, c'est comme un héritage pour la nouvelle génération. Je suis ici pour exposer mes créations. C'est du recyclage déco. C'est à base de papier journal essentiellement et de tas d'autres choses que l'on jette habituellement. Et je fais des créations, des décorations et des petits jeux de société, différentes choses. الجمعية الوطنية للإدماج المدرسي والمهني عندها أقسام ديزاتوليي ورشات
متخصصه باش تعلم هاد الفئه هذه تاع المصابين بالتريزوميا. عندنا بليزيوغ اتولي، عندنا اتولي بابي ريسيكلي، اتولي تاع بينتور، اتولي دو كوتور. دائما عندنا ثلاث ورشات لحد الان، رانا في ثلاث ورشات، ثلاث ورشات راهم يخدموا في هاد التخصصات. Cette expo-vente collective durera jusqu'au 25 mars. Voilà, design et recyclage. Pour dire plus précis, c'est au Palais des Raïs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la grande clôture. Alors, ce matin, c'était Sabrina Nakhlifi pour le reportage. Ce matin, on se retrouve pour la dernière ligne droite avec Madame Myriam Moussaïd. Bonjour. Bonjour, Mahmoud. Comment ça va bien? Très bien. On va être rejoint dans quelques instants par Hakim Keshoud pour les sports. Yes. Juste avant, avec vous, on va parler du halhal. Oui. Alors, c'est la lavande sauvage. Tout à fait. Oui. Oui. Donc, une plante de saison qu'il faut absolument essayer de goûter, de cuisiner. Bon, pour les gens, oui, bien sûr, puisque avec la lavande sauvage, avec le halhal, on fait un plat traditionnel qui s'appelle le couscous bel halhal. Voilà. Donc, c'est un plat traditionnel qui se mange juste avec un peu d'huile d'olive et un peu de lait caillé. Donc, c'est une plante qui pousse en ce moment. Donc, vous ne la retrouverez pas le reste de la saison. C'est pour ça qu'il faut en profiter. On la trouve pratiquement dans tous les marchés. Et en fait, c'est une cousine de la lavande. De la lavande officinale qu'on utilise comme en huile essentielle, qu'on utilise aussi pour mettre dans nos armoires, on l'utilise aussi comme remède. Il faut savoir que c'est une plante qui pousse dans tout le bassin méditerranéen, qui est vraiment propre à notre région, donc tout le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique. Donc elle est connue donc, à l'état sauvage. C'est au 19e siècle qu'on a commencé vraiment à utiliser la lavande officinale pour en faire des parfums. Mais nous, en fait, c'est pas notre spécialité. Nous, on se contente de l'accueillir sauvage. Donc elle pousse généralement dans les régions un peu rocailleuse, oui. Pendant du mois de février jusqu'au mois d'avril, dès que les chaleurs vont commencer à apparaître. Donc la lavande sauvage n'aura plus de fleurs et voilà. Donc il faut en profiter maintenant. Alors, el halhal, énormément de vertus. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'on la cuisine. Donc dans certains plats, on peut la faire aussi en tisane. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la faire sécher chez soi, donc dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Et bien sûr, la garder pour en faire des tisanes tout au long de l'année. Donc, tout simplement, la mettre dans un endroit, comme je l'ai dit, sec, à l'abri de la lumière. Et ensuite, la mettre dans des petits bocaux, le faire sécher et la garder pour soi. Donc, les vertus. Les vertus. Alors, c'est très, très bon donc, pour le système immunitaire, pour tous les problèmes de tout ce qui est bronche, bronchite et tout ce qui s'ensuit. C'est bon aussi pour les maux d'estomac. Donc, quand on a fait quelques petits excès, donc le jour de l'Aïd, Aïd Srir, Aïd Kbir, donc une bonne tisane de halhal, de lavande sauvage, c'est excellent pour la santé. Ça ne se mange pas, par contre? Non, ça ne se cuit pas non plus. Si, alors comment qu'on la cuit? Pour le couscous, bon, je ne suis pas une grande spécialiste, je ne vais pas mentir. C'est la fleur ou la... En fait, c'est la fleur. On prend uniquement le bout, donc ça dépend. Des fois, elle est violette foncée, des fois, elle est comme ça mauve clair. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la met à l'étuvée et ensuite, on la mixe avec un peu d'eau et on mouille le couscous. Donc, le couscous prend une couleur très foncée, donc violet. C'est amer, par contre, on le mange avec du sucre. En fait, on met un peu d'huile d'olive ou du beurre, tout dépend de la région où on est. Oui. Oui, on met un petit peu de sucre par-dessus et on mange. Voilà, et c'est excellent, excellent pour la santé. Ouais. Voilà pour la lavande sauvage. Donc la petite botte coûte à peu près dans les 40 dinars. On la trouve pratiquement sur tous les marchés. Et voilà, il faut en profiter maintenant, surtout qu'il a plu. Donc elle est tendre, elle est parfumée. C'est vraiment le moment d'en profiter au maximum. Voilà, c'était le halhal sauvage. Sauvage. Alors les ma'djibouch halhal, ils chiment le halhal. C'est un dicton bien de chez nous. Oui. Alors, ça vous fera passer la colère. Une botte. Allez hop, yes. Eh mon Dieu, heureusement qu'elle ne m'a pas jeté un bébé dans les mains. Ah, ça sent bon. Oh, bien sûr que ça sent bon.
Ça sent extrêmement bon. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement la fleur que l'on utilise Bien sûr, pas uniquement, il y a le couscous ou halhal. Elle rentre aussi dans la composition du mspouf, donc qui est un mélange d'herbes. Donc, on prend toutes les herbes qui sont en ce moment. Mais généralement, c'est toujours des herbes sauvages. Hein. Il faut savoir, Mahrez, qu'en ce moment, il y a énormément de plantes qui poussent spontanément. Moi, j'aime pas trop dire sauvage parce qu'on a l'impression que c'est pas bon à la consommation. Or que c'est excellent. Donc, on la mélange avec de la bourrache, avec de la mauve, avec aussi le bibras, comme nous l'a montré la semaine dernière Siham Kounouch. Donc on mélange tout ça, on met ça dans un couscoussier à la vapeur et on mélange avec notre couscous. Et voilà. Ben voilà. Donc en profiter, c'est vraiment le moment et ses bienfaits sont sans limite. Voilà. Thank you very much, lady. Il n'y a pas de quoi. Ce qu'on va faire exactement, on va suivre un reportage. Oui. Le restaurant blanc, c'est quoi ça? C'est à toi de me le dire, Mahrez. Alors du coup, mais juste avant d'aller vers le restaurant blanc, parce qu'on va le découvrir tout à l'heure, c'est d'ailleurs Naïm Al-Walish qui a été nous faire découvrir ce restaurant de gastronomie traditionnelle, enfin de nourriture algérienne si vous le permettez. Mais nous, ce qu'on va faire, on va parler après le halhal, on va parler plutôt de tomates. Alors la campagne de récolte de tomates, c'est à Taraf. Et c'est qui a été sur place? C'est Badia Amarni. La tomate, ça tombe bien, bah, c'est à voir, sans plus tarder dans ce reportage. La wilaya d'At-Tarf est connue pour sa vocation agricole. Les services de l'agriculture sont à pied d'œuvre pour accompagner les investisseurs, notamment pour la campagne tomate 2018 qui bat son plein. Un total de 5000 hectares de tomates sera planté. Alors la filière tomate a connu un essor important au niveau de la wilaya d'At-Tarf, où 98% des variétés utilisées sont des variétés hybrides à haut potentiel agronomique et technologique. 60% de la superficie repiquée est conduite en système d'irrigation localisé, notamment le goutte à goutte. Nous enregistrons un rendement moyen de 750 quintaux à l'hectare. En ce qui concerne la campagne en cours, nous avons des prévisions de 5000 hectares pour un volume de production de 3 millions quintaux de tomates fraîches. À la Daïra Dr'an, au lieu dire Shrash, les agriculteurs ont déjà commencé le repiquage des plants. Une surface totale de 40 hectares de tomates de la variété Albatros sera semée à cet endroit, avec une performance de 25 000 plants à l'hectare. Nous avons entamé le repiquage des plants préparés dans notre pépinière. Nous avons même introduit la mécanisation. Cette nouvelle technique nous a beaucoup soulagés car elle permet de remplacer 40 à 50 employés. Nous employons actuellement 6 à 7 employés. À cet endroit, c'est la première fois que cet investisseur a introduit le repiquage mécanique, en plus de l'irrigation en système goutte à goutte adopté depuis 4 ans, qui permet de meilleurs rendements. Au niveau de la daïra de Dar'an, 350 hectares seront repiqués de façon mécanique, une technique qui s'est beaucoup développée à Al-Taraf. L'irrigation se fera en goutte à goutte, une technique qui est en train de se développer dans la région et permet même d'atteindre des rendements entre 1000 à 1200 quintaux à l'hectare. Dans la wilaya d'At-Tarf, des besoins en eau d'irrigation consacrés à la culture de la tomate sont exprimés. Ils sont estimés à 7 500 000 mètres cubes. Ah là là, la tomate, c'était pas la récolte, c'était plutôt la... C'était la plantation. Voilà, la plantation. Des semis de tomates. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle n'est pas sous serre. C'est et ça. Il y a une grosse différence au niveau du goût. Donc, quand elle est... Ah oui. Elle est meilleure. En fait, quand elle est exposée comme ça au soleil, elle a vraiment un autre goût et elle est beaucoup plus parfumée. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mmh. Ouais. C'est bien une belle ça. Couleur, ouais. Moi, ce midi, je vais prendre d'ailleurs de la tomate huile d'olive avec une petite viande. Oui, ouh là là, c'est bon. Ouais. Et un petit peu, quelques fleurs de halhal sur la tomate avec le filet d'huile d'olive. Garde ton halal. Si, si, c'est bon. À la place du basilic. Je sais que vous aimez être chef, c'est pour ça que je vous ai donné la place pas aujourd'hui. Du tout. Pas du tout. Alors, ça, on appelle ça la place de la marionnette. Celui que l'on croit chef d'une mission, mais qui non, ne l'est pas. Alors, du coup, chers amis, chers camarades,
Nous avons l'honneur et le plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche matin. Et aujourd'hui, vous venez avec une maigre moisson, celle liée à une seule actualité. Elle concerne le monde du football. Bah oui, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a pris l'attention, tenu l'attention de tout le monde. Ouais. C'était déjà ce match hier, quart de finale de Coupe d'Algérie, qui a opposé la GS Kabylie à l'USM Blida. Un match qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, puisque vous le savez, la situation, la GS Kabylie, est-ce qu'ils doivent jouer au stade du 1er novembre, est-ce qu'ils jouent à Sétif, est-ce qu'ils jouent au stade du 5 juillet. C'est fait hier. Rencontre entre l'USM Blida et la GS Kabylie au stade du 5 juillet. Pas beaucoup de monde, il a plu, il a fait froid. Et la GS Kabylie a réussi à s'imposer devant l'USM Blida sur le score de 2 buts à 1. Pardon. Ça s'est passé en seconde mi-temps où tout s'est débloqué. On a beaucoup attendu de cette rencontre entre la GS Kabylie qui souffle le chaud et le froid en championnat et l'USM Blida, la lanterne rouge de ce championnat d'Algérie. Et victoire donc des Kabyles. Qui peuvent souffler pour cette qualification en demi-finale. La GS Kabylie qui a failli être surpris par cette jeune équipe blidéenne qui n'a rien lâché jusqu'à la fin de la rencontre, mais les joueurs de la GS Kabylie ont été plus sereins et ils ont réussi à s'imposer donc face à cette équipe de Blida sur le score de 2-0. Ils ont même pris la peine de rater un pénalty, Hamar qui avait raté un pénalty pour la GS Kabylie donc en seconde mi-temps, et la GSK donc qui rejoint les trois autres clubs qualifiés pour les demi-finales de Coupe d'Algérie, à savoir le Mouloudia d'Alger, l'USM Belhabès et le tout petit poussé, c'est l'équipe de la Zawiya, une petite équipe de un des plus grands quartiers du côté de Blida, qui donc s'est qualifié, qualification historique de cette jeune équipe Zawiya. Et regardez ce but de Blida, réduction du score avant la fin de cette rencontre. Blida qui a marqué un seul but, donc qui a sauvé l'honneur grâce à ce beau but, pleine lucarne. Et donc la GSK qui se qualifie. Le tirage au sort pour sa part aura lieu cet après-midi au siège de la télévision algérienne. Ce sera dans l'émission que présentera notre collègue de la chaîne nationale, donc Lila Ben Farhat. Ce sera à partir de 18h, tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Algérie. Ouais. Voilà, qui se joueront normalement entre le 6 et le 7. Je vous dis où ça va se passer ? Alors, il va y avoir Sidi Blabas, Tizi Ouzou, Mouloudia. Ah, ça, c'est le tirage au sort ? Ouais, je l'ai vu. Ah, d'accord. Il a rêvé, Mahal. Je reviens du futur, moi, je vis dans le passé. Depuis 8 ans, je vis dans le passé. Il a rêvé le tirage au sort. Non, je vous dis, Blabas, GS Kabylie et Mouloudia, Zawiya. Maintenant, il faut savoir qui va recevoir. Parce qu'après, il y a eu un tirage au sort. Ah non, moi, je t'ai donné les compositions. Après, je ne sais pas où ça s'est joué. Tu vois, je vis... Parce que si c'est Zawiya qui sort en premier, ça va se jouer au stade Mustapha Tchaker. Si c'est la GS Kabylie, alors à savoir maintenant si c'est au stade du 1er novembre ou du côté de Sétif ou au stade du 5 juillet, puisque le stade n'est pas conforme pour recevoir donc les demi-finales. Ça. Et maintenant, par contre, si c'est le Mouloudia qui est tiré en premier ou si c'est Blabès qui est tiré en premier, ce sera au stade de Blabès ou au stade du 5 juillet. Voilà. On en reparle vendredi prochain. On en reparle. Vous confirmez. Pourquoi pas, peut-être demain. Je ne serai pas là, non. Mais dimanche. Mais je vous dis vendredi, je vous confirme qu'il y a eu. Souvenez-vous. Blabès. GSK. Blabès, GSK. Et Mouloudia Zawiya. Voilà, il a donné le pronostic pour le tirage au sort de la Coupe d'Algérie. Je n'ai pas dit qui allait gagner, j'ai dit qui allait jouer. Voilà. Fier. Je fais un msaknin. Allez, autre info et après on parle d'un resto, si vous le permettez. C'est la dernière séance d'entraînement hier de l'équipe nationale avec une visite des jeunes qui sont partis rendre visite à l'équipe nationale avant leur départ pour Grasse, pour l'Autriche. Ça se passera aujourd'hui, départ donc de l'équipe nationale. Donc hier, au siège du Centre Technique National, visite de jeunes qui sont venus rendre visite à l'équipe nationale, histoire de se rapprocher un petit peu des stars de l'équipe nationale qu'on connaît, à savoir les Riyad Mahrez, les Safir Taider, les Karl Medjani, les Brahimi, les Hani, les Mandi, étaient tous présents pour accueillir ces jeunes qui sont allés rendre une petite visite donc à l'équipe nationale avant leur départ pour l'Autriche, pour la seconde rencontre qui les opposera donc ce mardi face à l'Iran. On rappelle que l'Iran, lors de son match amical face à la Tunisie, les Iraniens avaient perdu 1-0, alors que l'Algérie, pour son match amical face à la Tanzanie, victoire des Verts sur le score de 4-1. Donc hier, rencontre au siège du Centre Technique National entre les joueurs de l'équipe nationale et ces jeunes, ravis d'avoir rencontré donc le sélectionneur national et les joueurs de l'équipe nationale. C'était hier.
ou la télévision algérienne. En forme, il est très content, hein, très content de cette visite, voilà. Donc très très content la Bahmadjer d'avoir reçu ces jeunes. Vous allez les entendre, hein, donc même les joueurs et la Bahmadjer qui dit que c'est vrai, bon, rencontrer ces jeunes, ils ont eu eux aussi l'occasion par le passé de rencontrer les grands noms du football national et donc ça fait plaisir de recevoir à leur tour ces jeunes qui veulent se rapprocher un petit peu et qui sont toujours très très proches de l'équipe nationale. Voilà, quelques cadeaux, quelques photos, quelques autographes ont été signés par tout le monde. Si vous le permettez, Mahrez, on écoute juste les réactions ou est-ce qu'on n'a pas le temps? Ah, c'est, alors, en régie qu'on va, c'est en régie qu'on va me dire ça, mais voilà, tout dépendra de Myriam. Mais régie, on fait quoi exactement? On fait un resto traditionnel ou on se fait les sonores? Bon, ben, on va se faire les sonores, je pense. On se fait les sonores. On y va. Ouais, allez, ça va être rapide, ça va être rapide. Ils sont 3, 4 fois, ça va être très rapide. Allez, on écoute les réactions, les sonores des joueurs et bien sûr de l'entraîneur national, Rabah Hmadjer. Allez, c'est parti avec les sonores. Pour nous aussi, voilà, de pouvoir les rencontrer, ça leur fait plaisir. On a été aussi jeune gamin et de voir des joueurs de l'équipe nationale, ça fait plaisir. Donc voilà, on est heureux de leur apporter ce bonheur-là. Et puis en même temps, c'est un moment agréable parce que voilà, on vient tous du même endroit, on a souffert. Vous savez comment on est quand on voit notre star, quand on voit une personne, comment on est quand on voit la personne qu'on aime, qu'on admire quelque part. Vous savez comment on peut sentir ça? Ah ouais, nous on a connu ça aussi étant petit, forcément on avait des exemples, voilà, on avait des idoles, de grands joueurs de foot, donc ça doit leur faire la même chose. Bon, là c'est voilà, de leur donner ce qu'on peut en retour pour leur donner au moins le sourire. صح قبل ما يكونوا اللاعبين كنا اطفال كان حلمنا ثاني باش نولوا لاعبين كل واحد ومكتوب تاعو انا بواحد في قرايته واحد في السبور تاعو كل واحد في شاطه لربي دونك نعطيهم برك نصيحه ليهم نقول لهم ما طلقوا والو لا في الفوتبول لا في السبور ولا في المسيد باسكو كل شيء بالمكاتب اللي كتبها لك ربي المهم النجاح هو السر المهم هذاك هو صح هذاك هو صح واحد اللي يكون عنده حلم ولا حاجه يكمل حتى وين يلحق الحلم تاعه هذا ما كان الحمد لله يعني احنا سعداء والله سعداء للقاء الشباب والطلبه هذو جاو اليوم يشوفونا هذا راح يشجعنا اكثر واكثر ويعطينا ثقه كبيره جدا وهذا دليل انا نشوف حتى الشباب يحبوا يجوا يشوفونا حبوا يعني يجوا يقولوا لنا ربي يوفقكم ورانا معاكم هذا الشيء يعني شيء سان با دو بري اون ايتي جون وحنا كما يقول لك نصوم دي بابا عندنا اولادنا واللي كبروا الله يبارك واليوم جاونا في هذا التربص بعد الفوز الكبير امام تنزانيا وجيت فيك نهضر مع الشاب دوك يقول لي نتمنى التوفيق ورانا مراكم ورانا ننتظروا ان شاء الله فوز امام المنتخب الايراني هذا الشيء يشجعنا احنا يشجع اللاعبين العكس اللي يقول لك اللاعبين راهم يجوا هكذا ما يحبوش يخمسوا مع هذا كله كذب في كذب ولكن شوفوا الدليل شوف اللاعبين كلهم جاوا الطاقم الفني كله جا الطاقم الاداري الطاقم الطبي كلهم جاوا باش نلاقيوا هاد الشباب هذوما والحمد لله احنا سعداء بكل صراحه سعداء ومن قبل حتى ايضا ناني اون ريسيو لي ستوديون تاع لا ميدسين جاوا ثاني هنايا لي زاروسي هذا شيء جميل جدا والله العظيم احنا اون ملتيبلي وحنا توجو على ديسبوزيسيون يعني بكل الناس اللي يحبوا المنتخب الوطني وحنا رانا ان شاء الله وربي يوفقنا ونشكر هاد التلاميذ اللي جاوا زارونا ونشكركم انتم كتلفزيون جزائري مرحبا بكم في اي وقت ان شاء الله وهذا راح يشجعنا اكثر واكثر voilà donc voilà Rabah Hmadjer moi j'aime bien lui. Il est cool. Ouais, non, pour moi je l'aime bien. Voilà, moi je l'aime bien. En tout cas, pensez ce que vous voulez, moi j'aime beaucoup et je vous souhaite bonne chance. Beaucoup de succès. Et Rabah, Mustapha, si tu nous regardes, on est avec toi mon frère. On est avec toi, avec ce que tu veux. Merci beaucoup, merci c'est à moi. Vous. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Myriam Akay, bien évidemment. Merci à toute l'équipe en régie, à notre réalisatrice. Merci à Rina. Merci, moi. Merci aux deux jeunes demoiselles qui étaient à la caméra. C'était sympa de vous voir aujourd'hui. Ça me changeait un peu des poilus, là. Et sinon, bah, camarades, prenez soin de vous. On se retrouve dès vendredi, samedi, voilà. Dimanche. Et là, samedi, vendredi, dimanche prochain. Aimez-vous, vous détestez pas. Il y en a d'autres qui vont vous embêter à votre place. Allez, ciao.